Bien le bonjour YouTube, coucou, ça va, ravi de te voir. Nous sommes actuellement le 28 octobre 2024, il est 21h58 et nous nous retrouvons ce soir déjà en compagnie de ces bien belles personnes qui nous font honneur de leur présence, mais il y a aussi celles et ceux qui regardent le live sans forcément être dans le chat et qui seront sur Twitch ou sur YouTube, ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Ce soir on se retrouve pour jouer à un jeu d'horreur, comment il s'appelle déjà ? Akaiona. Voilà, je le savais, j'ai pas eu besoin d'une anti-sèche, je vois pas de quoi vous parler. Akaiona, qui n'est pas un jeu de Sheila Art, alors qu'on pourrait le croire. Et j'ai absolument rien d'autre à dire, ni aucune autre idée pour meubler le début de ce live. Donc, je vais, de ce pas, ouvrir le jeu. Et puis on va voir ce qui va se passer. J'ai acheté Amanda The Adventurer 2 aujourd'hui, pour le faire à l'occasion. Spoiler, l'occasion ce sera pas tout de suite, faudra attendre mi-décembre pour avoir le stream sur ce jeu. Alors, le jeu s'ouvre, très bien, ça c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Maintenant, il faut que je vous donne l'image du jeu. Est-ce que vous méritez l'image du jeu? Moi j'aurais tendance à dire oui, vous la méritez. Donc vous allez avoir l'image du jeu, dans... vous avez l'image du jeu, mais c'est formidable, c'est trop bien. Hop, je vous mets ça comme ça, mais c'est formidable, c'est toujours trop bien. Ça, ça change pas. À cause du patch français? Non. Ah, parce qu'il est pas en français le jeu, Amanda? Non, vous déconnez. Il est pas en français? Ah merde, je pensais qu'il était en français. Ah, c'est pas du tout pour ça. Non, non, pas du tout. Vous voulez savoir, vous voulez la vraie raison de pourquoi je vous ai dit on jouera Amanda en décembre? Parce qu'en fait, en décembre, je relance les vidéos gaming sur ma chaîne YouTube Farod principale, les vidéos gaming à l'ancienne. Et je m'éclate à faire les vidéos d'avance. Donc là, j'en ai déjà 3 qui sont prêtes à sortir. Et la troisième vidéo à sortir dans l'ordre des sorties, c'est la démo de Amanda The Adventurer 2. Voilà, quand j'ai tourné la vidéo, le jeu officiel Amanda L'Aventurière 2 n'était pas encore sorti. Bon, j'ai appris qu'il est sorti 3 jours après. Mais bref, et dans la vidéo, je dis clairement aux gens, je dis, bah écoutez, on a regardé la démo ensemble. Le jour où sortira cette vidéo, normalement, le jeu sera déjà sorti, oui. Donc, rendez-vous ce soir à 20h sur ma chaîne Twitch pour voir ensemble le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je me fais une pub dans 2 mois à l'avance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, quand ma vidéo sur YouTube sortira où je teste la démo de Amanda 2, le soir même, on fera Amanda 2 en stream. Maintenant, vous me dites qu'il n'y a pas le français, donc... Ha! Haha, donc soit je réfléchis à attendre un petit peu, à repousser cette vidéo et en mettre d'autres à la place, soit on le joue en anglais, mais oh là là, quelle horreur! Mais après, c'est dommage parce que le 1 était traduit full en français. Farod, trop intelligent. Non, c'est juste que je me suis rendu compte à la fin de mon tournage vidéo que j'étais en train de me dire ah merde, mais quand la vidéo sortira, le jeu sera déjà sorti et tout le monde aura déjà fait le jeu et tout le monde va me prendre pour un con en testant la bêta. Bon, bah alors pour pallier à ça, allez, rendez-vous ce soir et on teste le jeu ensemble ce soir, comme ça on n'est pas trop en retard. Mais ouais, un peu frileuse là, l'excuse. Bon, bref, rendez-vous en décembre, on en reparlera. Donc, Akaiona, on va, s'il vous plaît, anglais, option graphique, je sais pas pourquoi, je... Qualité, tu nous mets performant, là. Ouais, mais nous performant, j'espère que ça va pas faire bugger trop le jeu. Le son est pas très fort. Oh, ça a l'air d'être un peu mieux déjà, on entend mieux l'oiseau, ça y est. Et framerate 60, VHS filtre, oh, allez, c'est bon pour moi, alors on y va. Akaiona, en anglais, à l'aide, version 1.01. C'est parti. Je suis désolé d'avance, hein. Je vais rien comprendre, ça va parler en anglais, ça va être terrible. Hein. J'aurais même limite dû mettre le jeu en japonais, ça aurait été plus drôle. Donc le 21 octobre déjà, je crois, ou alors octobre 2021, je sais pas. Il y a que des numéros déjà, je sais pas comment les lire. Hein. C'est fluide chez vous? C'est fluide? Oh, c'est trop fluide. Sympa le filtre. I got to home later. Attends. Ok, je voulais juste voir si on pouvait se déplacer. Je rentre à ma maison tard. Et il fait très sombre autour de moi, et j'ai besoin de rentrer à la maison le plus rapidement possible. Donc on peut pas du tout jouer à la manette. Ah si, on peut jouer à la manette. Bon, je vais quand même jouer à la souris. WASD, ok, run. Ok, on peut crouch. Ok, il y a clairement quelqu'un en face de moi, hein. On le voit, je le vois, tu le vois, tout le monde le voit. Je suis pas content. Attention aux personnes suspicieuses. Bon, suspicieuses, c'est pas la bonne traduction, mais aux personnes... que tu peux suspecter, genre qui paraissent
bizarre. Alors, ça craint parce que c'est clairement le perso qui a sur la fiche du jeu, ça. Pour moi, ça... Hein? Ah, mais je suis bloqué. Allô? Oui. Et je vous rappelle, la fiche du jeu, à gauche. Je pensais pas qu'on allait la voir aussi tôt. Moi, je pensais que ça allait être un jumpscare qu'on verrait à la fin, mais bon. Bon. Non mais vas-y, il y a combien d'oiseaux là-haut? Ah putain, mais on les voit. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe là? La personne depuis Early, je sais pas. La personne d'avant, la personne précédente, elle semblait un petit peu dangereuse. Je suis effrayé. Je vais rentrer à ma maison le plus rapidement possible. Waouh, voilà les moucherons. Il y a un truc qui pue là. Les poubelles, ouais, ok. Oula, oh non. Oh bah non, pas fan. Pas fan, pas fan du tout des poupées, tout ça là. La prohibition est illégale. C'est quoi? C'est le fait de... Prohibition, putain. Dumping, c'est le fait de dumping, jeter. 10 millions de yens. Alors là, je suis... Oh! Mais tu sais, je l'ai vu du coin de l'œil, j'ai cru que c'était un bug graphique. Et de l'avoir revu, ça m'a double fait peur. Je me suis puni moi-même. J'aurais pu l'esquiver, ce jumpscare, si je... Enfin, ça n'en était pas un, mais... J'aurais pu ne pas le voir, ce mec qui court, si j'étais concentré sur la peluche. Mais non, il a fallu que je vérifie. Je suis trop con. Non, mais elle fait trop peur, la poubelle. On dirait le museau d'un énorme... hippopotame ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas. Tu sais de quoi j'ai pas envie? De me retourner. J'ai très pas envie de me retourner. Y'a rien. On va peut-être pas rester sur la route quand même. Bon, et la blague, c'est qu'il habite où, lui, le garçon, parce que... Il nous dit qu'il veut rentrer chez lui, mais on sait pas où il est. Est-ce que le level design va me le faire comprendre facilement? Allez, je dis qu'il habite là. Eh oui, non. Mais j'aurais aimé. Non mais vas-y, on... Oh, je vole! Putain, on est dans Minecraft en mode... Donc, bah, ma porte est celle qui est entourée en blanc. Putain, comment il s'appelle ce mode dans Minecraft création? Non. Oh putain, vas-y, j'essaie de faire des rêves de jeunes et je les ai tellement pas, c'est terrible. créatif, voilà. Mode créatif, ouais, vas-y. Tu vois, j'aurais été dans une vidéo YouTube. Ça, je le coupais au montage et je faisais genre que je savais de quoi je parlais. Mais là, je me suis un petit peu affiché, là, c'est fini. Putain, elle est shiny, ma porte, là. Rêve de moins jeune, du coup. Alors, bonjour. Allez, on va chez moi. Ça va aller chez nous. Oh là là. Pff, putain, mais voilà l'ambiance graphique du jeu. Attendez, je m'enlève le pantalon. Le jeu m'excite énormément, c'est pour ça. Hop. Hop là. Non, il était vachement remonté. Ça me serrait de ouf à la taille. Cloc, 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 cloc. Bonjour. J'ai pas aimé. C'est quoi ce boucan? Mais quoi? Et quoi? C'est la télé qui fait ça? TG? Oh, je peux plus bouger. Oh, je peux bouger. Oh, c'est étrange. Je crois que j'ai oublié de j'avais, je crois que j'avais oublié de l'éteindre. Je suis fatigué. Je vais aller au lit aujourd'hui. Bon, oui, aujourd'hui ou un autre jour, enfin, t'aurais dormi tôt ou tard. Donc le 24 octobre. Putain, on est le 28 octobre. À 4 jours près, c'était incroyable d'y jouer. Et donc on refait le même chemin. On va recroiser la même personne. Ouais, ok. Attention aux personnes suspicieuses, bien sûr. J'ai pas aimé le bruit. Ça fait partie du jeu de vraiment absolument rien voir, là. Waouh. Attends. Quoi? C'était ultra viril, non? Comme
Mais je... Je suis la police. Pardon. Je suis la police. C'est comme Batman. Je suis le Batman. Je suis la police. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Mais parce que c'est pas, j'ai pas le droit de me. J'ai pas le droit de. Je vais à ma maison. À cette heure-là de la nuit, tu es suspicieux. Ah, on a dit attention aux personnes suspicieuses, hein, on l'avait dit. Mais tu ne sembles pas me mentir. Alors, je peux dire par rapport à ton visage sur ton visage. Ouais, à la façon dont tu es. Voilà. En gros, il a compris que je n'étais pas un menteur parce qu'il lit dans les traits de mon visage, je crois. Bref, est-ce que tu prends toujours ce chemin-là? Oui, je prends toujours ce chemin-là chaque jour quand quand je vais étudier à l'université. Est-ce que tu as pris ce chemin-là il y a 3 jours? Eh bien, pourquoi vous me demandez ça? Oh, putain, ces mouvements de bras étaient beaucoup trop fluides. Eh bien, en fait, il y a eu un meurtre il y a 3 jours. Et la victime. Ouais. Énorme. Le couple, mais where couple? Ah, les victimes, il y a un S. J'avais pas vu, je croyais, pour ça je comprenais pas. La victime est un couple. Les victimes formaient un couple. Le perpétrateur. Alors, perpétré. Celui qui a perpétré le premier meurtre. Dormait avec sa femme ou alors a tué sa femme qui était endormie, j'en sais rien. Et il a tué son mari. Pardon, j'avais plus envie de lire en fait dans ma tête. Qui est revenu après. Et le corps était dire pour avoir être stabbed plein de fois et il était dans un état très comment on dit en français unsightly. Ah, unsightly en fait, unsightly. Un état unsightly, oui. Et toi, tu n'as vu absolument personne de suspicieux sur le chemin de ta maison. Alors moi, j'ai vu une femme en rouge, c'est vrai. Ah, mais j'ai vu aussi un mec courir, tu me diras. Mais le truc, c'est que comme la femme en rouge, elle est sur le l'affiche du jeu. J'ai tendance à penser que c'est elle. Je veux dire, j'ai vu un mec courir. Bah, c'est plus suspicieux quelqu'un qui court qu'une femme en rouge. Le mec qui court, hein. Peut-être que c'est quelque chose d'important à noter quelque part. J'en suis au point où je commence à inventer les dialogues, ok. Dans mon histoire, il parle comme ça. J'ai entendu parler de plus de choses par rapport à après ce moment-là. Et il est déjà tard aujourd'hui, donc rentre chez toi. Comment t'as fait pour arrêter? Ah, oula. Comment t'as fait pour arrêter la musique? T'es trop fort. Bon, à bientôt, monsieur l'agent enfin, à bientôt, la police. Le corps a été poignardé multiples fois. Ils ont jamais dit ça. Vous avez rien compris au jeu ou quoi là? Par contre, le mec qui court, j'aurais. Non mais il est sérieux, la police là? Il a pas entendu le gros. Ah, Nick. Ouais, du coup, j'aurais vraiment pu le louper, le mec qui court, et j'aurais pu ne pas avoir la ref. Quand le policier me demande ce que j'ai vu. Vous avez peur? Oh là. Non, parce que moi, oui, hein. Moi, je suis pas à l'aise. J'ai peur. Waouh, mais les éclairages sont tellement pas allumés. J'ai pas de flashlight, j'ai rien. C'est une catastrophe. Je suis tétanisé. Oh le piaf. Franchement, tu m'aurais mis un son de piaf, j'aurais gueulé. Voilà, quitte à pas avoir le son, je te le fais moi-même. C'est comme ça qu'ils font les oiseaux hein, au Japon, surtout au Japon. Ouais, des trucs comme. Alors, j'ai croisé quelqu'un dans le couloir ou pas? Non. C'est chez moi? Pas du tout. Oh le con quoi. C'est chez moi, j'ai peur. Je crois que j'ai plus peur dehors. Non, j'ai plus peur dedans que dehors.
Alors, je n'ai jamais, à travers que mon le meurtre de mon voisin. Ah non, c'est pas Srouge, c'est Soug. Et ça veut dire quoi, Soug? Je n'ai jamais. Il y a un meurtre chez mon voisin. Ouais, comment je peux dire? Je n'ai jamais pensé. Il est trollé le mot penser en anglais. Moi, je propose une pétition. De toute façon, tous les mots qui terminent par GHT, ban. Je propose qu'on les banne et qu'on mette un autre truc à la place. Donc, j'ai jamais pensé qu'il y aurait eu un meurtre dans le voisinage. Et je ne veux pas aller de nouveau sur cette route encore hein, en bas. 4 points de suspension, c'est énorme. À un moment donné, il y en avait 3, mais là c'est 4. Je suis terrifié. Ça fait beaucoup de points, ça. Hop là. Allez, on arrête de jouer parce qu'il fait peur, ouais. Je suis affamé. Ça serait bien s'il y avait quelque chose à manger dans le frigo. Et là, dans le frigo, il va y avoir une tête. Et sinon, la lumière, c'est pour... Voilà. Ah! Ah, je me sens bien. Doucement, il va se passer un truc, je le sens. Bonjour. Tout petit appart, là. Il peut pas nous arriver de bricole, là. La porte est fermée. Il pourrait y avoir un truc par le balcon, mais j'ai peur. En fait, j'ai peur. Rien que d'y penser, je me fais des films. Bah comment ça, il a pas le frigo collé à son lit, je... Ah bon? Ah, t'es comme ça, toi. Le frigo... Alors, ah oui, crouch, c'est vrai. Comment je me crouch? On crouche pas, nous? C'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Y a bien quelqu'un qui a frappé, on est d'accord. Mais moi, je vais pas ouvrir, hein. Attends, il y a eu un meurtre il y a 3 jours, mais moi, j'ouvre pas la porte, hein. T'es un ouf, hein. Est-ce qu'il faut vraiment... Ah non, d'accord. Il a fermé derrière lui. J'ai peur que si je m'approche et que j'appuie sur le verrou, il ouvre la porte. Non mais toujours plus... Et il a mangé l'emballage plastique avec ou quoi là? Mon estomac était plein. Il est temps d'aller dormir. On aurait pu regarder par là. Non, il n'y a rien. C'est quoi ça? C'est un truc pour... je sais pas. Ok. Ok, j'ai peur. Tu veux pas aller fermer un petit peu tes rideaux là? S'il te plaît, je t'en supplie. Bon ben... On dort mais... On dort pas? Faut que j'éteigne la lumière? Attends, il a dit quoi? Il a pas dit qu'il était fatigué? Je vais dormir à côté du lit. Ah, j'ai bien dormi. Ça fait plaisir. Mais c'est que je veux pas, en fait, s'il vous plaît. Le caca. J'ai le caca. Oh non, je vais regarder. Yo. Je vais regarder, il y aura personne, et puis d'un coup, paf, une tête qui arrive. Mais il s'était pé! Il s'était pé! Il s'est épé! Non! Je suis mort! Alors, c'est-à-dire que. C'est gênant. Alors. Bonjour. Oui, c'est pourquoi? Avez-vous un récent re-signé? Êtes-vous un nouveau locataire récent? J'en sais rien. Oui, c'est à droite. Oui, c'est vrai. Qui êtes-vous?
Tu ferais mieux de faire attention. J'ai vu une étrange femme traîner devant ta porte plusieurs fois. Elle était vraiment très 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 bizarre. Et je pense, parce que Sougt, ça veut dire je pense, et je pense que je pensais que je devais t'avertir. Voilà, c'est tout. Allez. Alors normalement tu dis au revoir, mais là il dit see you soon en mode on se voit bientôt. La Pokéball s'ouvre et révèle un nouveau Oh, j'ai cru Pokéball. qu'il rentrait chez moi. Hein. Donc je confirme que on ne peut pas fermer la clé. Quoi? Oh, j'ai des frissons dans la joue. C'est un putain de piaf, mais il est pétrifié, il est givré là. Il est pétrifié. Mais allez, dodo. Je vais dormir maintenant. Le 21 octobre. Attends, mais on était le 24 octobre, qu'est-ce qu'il raconte? On est revenu dans le passé là? On va voir ce qui se passe 3 jours avant pendant le meurtre. Allô? Allô? C'est ref à FNAF. Je sais pas si vous avez la ref. Donc, hello, ça veut dire allô. Oh, il y a quelqu'un qui arrive derrière. Toi. C'est une femme qui parle. Est-ce que tu as travaillé beaucoup aujourd'hui? Oui. J'ai été occupé avec mon travail jusqu'à tard. C'est quoi derrière? C'est un chat? C'est un chien? C'est un avion? Putain, on comprend rien. Attends, je comprends pas. Il dit qu'il pouvait pas rentrer à sa maison de tout le mois? Plus que ça, qu'est-ce que tu fais? Ça arrive jamais que tu m'appelles que tu m'appelles. Vas-y, qu'est-ce que ça raconte? Quoi de beau en fait? J'ai une importante histoire à te raconter. J'aimerais te parler de ça à la maison, donc rentre le plus vite possible. Donc c'est le couple? Oh non. Oh non, je joue. Oh putain, je vais me faire tuer. Mais le pire, c'est de savoir que ça va arriver. Attends. Il nous avait raconté que la femme était déjà morte quand le mari est rentré, si je me rappelle bien. Et qu'il s'est fait tuer juste après. Chérie, je suis rentré. Est-ce que ma femme dort déjà? Il est horrible votre appart. Votre appart de con là. C'est quoi cet appart de fou là? Il y a un truc à gauche. Mais ça va me foncer. Oh, ça va être horrible! Ça va me foncer droit devant, droit dessus. Hop, protection, tu connais. Hop, là, je me sens plus courageux. Ok, j'ai une horloge que j'entends. Oh! Il y a des putains d'escaliers, sa mère! Mais il n'y a rien, il n'y a pas un meuble chez vous, il n'y a pas un tableau, il n'y a pas une tapisserie, il n'y a pas un bouton de. Pour la lumière, rien. Oh, saloperie du cuve! Tu l'as vu courir à la fenêtre ou pas? Moi, je l'ai vu courir, ça m'a foutu les boules. Hein. Y a quelqu'un qui court autour de la maison là. Oh, ça va être haut. C'est un cadeau! Ouais, le cadeau de l'horreur quoi. On voit rien, mon Dieu! Ah! On voit rien du tout! Oh, c'est un cadeau! Oh, c'est un cadeau! Oh ouais, je vais chier moi, je vais chier fort, tu vas voir. C'est un cadeau! Non mais c'est une folie comme on voit rien du tout. Oh, j'ai trop peur. Oh, ça va arriver par la droite là. Mes couilles. Ça va vous sinon? Moi non.
Moi, j'ai trop peur actuellement. En fait, j'ai plus peur de l'œil gauche, j'ai remarqué. Donc, je le cache. Voilà. D'accord. Oh, je vais pas aller là-bas. Bon, mais je vais aller là-bas. Me chie dessus. Ok, je me retourne et elle m'attaque. C'est foutu. Je suis 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 foutu. Je sais très bien, le fait d'avoir cliqué sur la porte, ça lance le script, le perso derrière moi. Dès que je me tourne, il me fonce dessus. Je vois à travers. En vrai, je vois à travers le. Ça me fait un filtre de protection, mais pas tant en vrai. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Allez, on a tous eu peur, c'est bon. J'ai tellement. Mais c'était quoi ce bruit de fou? C'était quoi ce bruit de fou? Attends, je crois que j'entends mon chat qui vomit. Ben non, en fait, tout va bien, mais par contre, trop bizarre, ma porte d'entrée était complètement ouverte, ouverte en grand. T'imagines? Non, je rigole. Mais le mec au calme. Ouais, j'ai entendu du bruit chez moi, mais non, c'était pas le chat, et puis ma porte était ouverte en grand, trop bizarre, quoi. Bon, on y va? Ta gueule, le chat? Tu dis pas qu'il faut te barrer là, peut-être de chez toi. Et c'est ultra physique pour moi de ce que je suis en train de faire. Hein. C'est ultra dur. Hein. Je suis pas bien. Mais casse-toi, va appeler la police, il y a du sang partout. C'est là, hein. C'est là que ça va arriver. Vous êtes prêts? Comment tu savais, Lazarus, que j'avais une flashlight? Mais le jeu m'a jamais dit que j'avais une flashlight. Mais non, j'avais, mais non, mais sans me déconner. Ils l'ont dit au début du jeu. Ah. Ah. Ah, des os. Bon, vous êtes prêts? Screamer dans 3, 2, 1.
Wow! Ta gueule, toi. Ta gueule, la télé. Et c'est comme dans mon appartement, la télé s'allume toute seule, on sait pas pourquoi. Ah! 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 Ça a toqué, non? Ah! Ah! Prendre le relais, s'il vous plaît. Qui veut jouer à ma place? J'en ai ras le bol. J'ai peur. Je suis pas bien. Ah. À mon avis, ça a ouvert la chambre là-haut. Oh putain, il y a du rouge. Oh putain, il y a du rouge! Ah! Ah d'accord. Bon, bute-moi le jeu! Allez, qu'on en finisse, s'il te plaît! Oh non! Est-ce que c'est une blague? J'ai plus ma lampe torche! Ah! Bonjour. Bonjour l'ampoule, je te vois. Ah! J'ai peur. Ta gueule! Ta gueule, le jeu, tu m'as saoulé! J'ai pu... Oh, ça fait pas peur, c'est bon! Oh, merci! Oh putain, merci! Oh, mais en fait, ça faisait pas peur du tout! Mais c'est fou! Le jumpscare, il était nul à chier, en fait! Mais putain, merci de ouf! Oh, tout ça pour ça, putain! Mais j'ai tellement eu peur. Qui veut bien me rendre visite à cette heure-ci? Et là, c'est la femme en rouge. Oh le cul! Bonjour. Bah écoutez, on va juste pas ouvrir, non? C'est quoi ce bruit? Qui allumait la machine à café? Cette femme est folle! Je vais appeler la police! Ils ont dit que ça leur prendrait 2 minutes pour arriver. Je vais devoir endurer ça pendant encore 2 minutes. Mais en mode, je vais devoir me cacher? Ah mais elle est passée par la fenêtre! Ah d'accord, j'ai pas compris. Mais qu'il est con le jeu. Il me met dans la salle où je vais mourir. Ah pendant 2 minutes je dois tenir. Putain mais c'est trop con. Oh, on va aller se prendre une petite douche là con. On ferme la porte. On ouvre la porte. On ferme la porte. Et on peut pas fermer à clé, c'est quoi hein, ça? Ne viens pas, s'il te plaît! Encore 1 minute et 20 secondes.
Ouais, il y a un timer quelque part. En haut à gauche, il y a un timer, mais vous le voyez pas, pardon. Mais je peux pas vous l'enlever en fait. J'ai pas accès à OBS là. La souris est dans le jeu. Il reste 1 minute et 8 secondes. Il reste 1 minute pile. 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La femme était partie avant que la police arrive. Bon, c'est faux parce qu'on entendait quand même. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi elle s'est attaquée à moi. Une semaine a passé et la femme n'a pas été attrapée. N'a pas été. Ah, d'accord, je vais me faire foutre, ok. J'aurais bien aimé voir la. Pourquoi je suis au sol? Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Je suis censé. Ça représente quoi ça? Pourquoi la caméra elle est au sol comme ça? Je peux pas bouger? Mais je peux pas bouger du tout là, je comprends pas. Trop bizarre. Parce que j'étais crouch dans la salle de bain et le jeu a gardé en tête que j'étais crouch. Mauvaise fin. Quoi? Quoi? Comment ça, mauvaise fin? Mais t'es un ouf, toi! Mais qu'est-ce que je pouvais faire pour avoir la bonne fin? Me protéger et la frapper? Mais comment ça, mauvaise fin, grosse folle? T'es un fou, toi! Comment ça, mauvaise fin, grosse folle, j'ai dit. Attends, est-ce qu'il y a une arme quelque part, quelque chose avec lequel je peux l'attaquer? J'aurais plus tendance à aller regarder la cuisine. Avec le sèche-cheveux, tu veux que je l'attaque? Avec la poubelle? Et je peux pas ouvrir la porte. Cette femme est folle là. Je vais appeler la police. Ah, j'aurais dû vous mettre le timer, désolé. Et là, ça me remet dans la chambre ou. Il a dit que ça prendrait 2 minutes. Est-ce que je vois un truc, un objet moi d'ici? Non, je crois pas. Hein. Attends, je peux faire échappe, avoir accès au menu pote. Non, je peux pas. J'aurais dû vous montrer les timers. Hein. Ou alors je peux partir? Non? Non mais toujours plus! Non mais toujours plus! Mais quoi? J'arrive! Déjà avant! Non non non! Ok mais non en fait!
Mais non. Mais non, mais non. Elle s'en battait les couilles là de la. Oh putain, d'accord. Bon, je vois pas trop. Quelqu'un a une idée? Quelqu'un connaît le jeu ou pas? Je peux la flasher? Si elle court aussi vite que Flash, j'ai qu'à la flasher et on est bon. Pas du tout en fait. Pas du tout, ouais, ok. Pas du tout, ça marche. Elle s'en bat les couilles. Elle est là, elle prend ses couilles, elle est bas, au calme, elle s'en fout. Non, non, mais il doit y avoir un objet quelque part, hein, je pense. Peut-être dans la salle de bain, en vrai. J'étais regardé, il faut fuir par la porte quand elle casse la fenêtre. Ah, nickel. Salut. Il faut fuir par la porte quand elle casse la fenêtre. Mais c'est complètement con. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pendant le laps de temps où elle court comme une folle qu'il faut fuir à ce moment-là. Mais c'est un truc de fou. Mais ça, c'est débile. Je spam, hein. Mais non. Je peux pas. Mais tu te rends compte de ce qu'il vient de se faire? Mais je peux pas aller plus vite que ça, c'est pas normal. C'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible, enfin. Mais c'est pas mon... Mais il est débile, le jeu, là. Il nous prend pour qui? C'est un easter egg, cette fin. C'est pas normal. Comment ils peuvent s'attendre à ce que quelqu'un découvre la vraie fin naturellement, comme ça? Voilà, faut que je ferme derrière moi. J'ai pas réussi. Mais c'est trop dur. J'en veux plus. Ou alors j'attends qu'elle fasse un aller-retour quand je me cache dans la salle de bain, peut-être. Et est-ce que si je reste comme ça, je suis mort? Je crois que la réponse est oui. Non, je sais pas, peut-être qu'elle calculait pas. Peut-être que c'était une safe place, la salle de bain, qu'elle m'attaquait pas, je sais pas. Ok, bon, il faut que je. Comment. Et ça s'entend en bruit, où est-ce qu'elle est? Ouais, mais c'est dur ce que tu me demandes là. Elle fait un virage de fou. Allô? Putain, j'arrive pas à fermer la porte. Ok. Mais! Ah mais elle peut rentrer dans la salle de... Tu sais que moi j'écoutais les bruits là depuis tout à l'heure, j'étais concentré. Mais je savais pas qu'elle pouvait rentrer au canon dans la salle de... Pourquoi elle l'a pas fait tout à l'heure alors? Que la lumière en fait. Ne me dites pas que c'est parce que je ne suis pas accroupi. Vous pouvez pas me faire croire que le fait que je sois accroupi change quelque chose à travers la porte. Vous pouvez pas me dire ça, enfin. Vous pouvez pas me le dire sereinement en mode bah si Farod, enfin, c'est bien connu que si t'es accroupi derrière la porte, elle te verra pas. Mais, non, arrêtez! Non mais genre ça a changé quelque chose.
c'est fou dehors. Je suis censé faire quoi, moi? Pardon, mais je suis censé faire quoi, moi? Oui, il s'avait dit qu'elle était partie de l'appart. Ça, d'accord. Faut que je vois où est-ce qu'elle va. Ah ! Ah ! J'ai eu peur ! Mais pourquoi ? Elle remonte ? Pourquoi tu la suis ? Mais je sais pas, qu'est-ce que je suis censé faire ? Si je reste chez moi dans la salle de bain, on me dit j'ai la mauvaise faim. Si je j'attends qu'elle parte et que... Bah, j'aurai toujours la mauvaise faim, je crois qu'il faut faire quelque chose, non ? Comment ça ? Pourquoi je la suis ? Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Je sais pas, moi j'ai cru qu'il fallait regarder où, dans quel appartement elle va, comme ça on pourra le dire à la police, tu vois. Mais comment ça se sort par la fenêtre? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais pourquoi vous racontez ça en plus en mode c'est évident? Bah je sais pas, va sur ton balcon et... Mais quoi? Et genre vraiment, il fallait être crouch pour que ça marche, quoi. Pitié. On appelle ça le prime, en fait. Hein. Voilà. Inspirez-vous, je sais pas. Elle est partie là, non? Mais pitié, mais à quel moment vous avez cru que c'était intéressant d'être sur le balcon? Vraiment, je vois pas ce que vous vouliez que je fasse là. Comment ça saute? Arrête, Maryse! Non, je comprends pas. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Personne n'a une idée de ce que je dois faire. Oh, mais elle revient. Mais elle va me foncer dessus là, en fait. Ah non. Il reste 23 secondes. Le moment où elle tournait à gauche, aurait-tu... Ah non, mais elle m'aurait rattrapé par derrière, c'est sûr. Elle va trop vite. Par contre, si je vais au deuxième étage en bas, pendant qu'elle remonte, là, je peux descendre et alerter la police en bas. C'est trop bizarre, comment c'est pas intuitif. Mais on l'entend, elle est là encore là. D'où la police, elle n'intercepte pas, là. Donc il est gris, une semaine est passée, mais la femme n'a pas été capturée. J'entends des bruits chaque nuit. C'est trop bizarre que j'ai décidé de... D'accord, j'espère juste que ils la captureront rapidement. Quoi? Avant de fuir, faut fermer la porte de la chambre. Ça la ralentira, normalement. Oh, t'aurais pu me le dire ça. T'aurais pu me le dire avant que j'essaye 20 fois le truc, quoi. Bon, il faut obligé de se retaper ça. On peut pas skipper. Putain, voilà, c'est long. Et la porte qui pose à travers. Qui lui passe à travers, pitié, quoi. Merci Ali Sambal. Sambal. La 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 la. Merci pour les 13 mois de resub. Merci Azerty01 pour les 17 mois de resub. Merci joueur. Joueur de Souls pour le tier 1. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci Droubanst pour les 19 mois de resub. Merci joueur de Souls pour le sub offert. Merci Icegrave pour les 7 mois de resub. Merci BZ Akira pour le tier 1. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci Luric pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup.
Merci Lionevi pour le 11 mois de resub. Merci Aiden Wu pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Et merci à Hater de Mini Sky E pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Donc tu me proposes de fermer cette porte là. Au moment où je m'enfuis, ça va la ralentir, ouais, vraiment. J'ai pas eu l'impression, moi j'ai eu l'impression qu'elle speedrunnait à travers la porte assez rapidement, non? Mais bon, on va voir ça tout de suite, hein. Peut-être qu'il faut que je reste dans le noir aussi, peut-être le noir ça la ralentit, je sais pas. On appelle ça le prime en fait, hein. Voilà, inspirez-vous, je sais pas. J'y crois à aucun moment. Et je vais où là? Je suis sur le chemin de la police là-bas, enfin le... J'ai une flashlight depuis le début du jeu, ça me tue de rire, je l'avais jamais vu. Ah, le mec qui court, je comprends pourquoi il y avait un mec qui courait. En fait, c'était moi. Il reste 52 secondes. Il reste 40 secondes. Pas... Oh, what the fuck. Oh putain, c'était la casquette du policier. C'était son képi. Je crois que le policier, il a été assassiné. Ah, donc faut bien courir vers là, quoi. Il reste 15 secondes. Ce n'est pas le chemin de la maison. Ah bah nickel. Il reste 7 secondes. Je crois qu'il aurait fallu que je aille à gauche. Il reste 2 secondes. Je sais pas ce que je dois faire. C'est le même message. Ouf. Mais pourquoi, pourquoi le jeu est con comme ça, hein? Tu as pas pris le bon chemin. Mais le bon chemin de quoi? Le jeu, il attend que j'aille où? Y a rien d'évident, y a rien de logique. Je comprends pas. C'est chiant un peu là, ça. Putain, mais tout le jeu, il partait très bien et juste la fin, elle me paraît débile un peu. Elle est bâclée de ouf, je comprends pas. Elle est où la logique? Nick, le jeu, on va aller regarder sur. Voilà, regardez sur YouTube, là je comprends pas, je vais pas tester toutes les portes de toutes les maisons partout, je sais. Wow. Ah, ça pique. Comment il s'appelle le jeu de ce soir déjà? Je sais plus. Comment s'appelle le jeu? Il s'appelle Akaiona. Akaiona, oh oui, d'accord. Akaiona Good Ending. Akaiona Good Ending. Alors, parfait.
parfait. Clac, je vous montre ça. Clac, que personne ne panique, que personne ne bouge. Attends, comment je ferme? Comme ça. Comme ça. Allez, comment on fait? Entre nous. Donc déjà, il allume sa lampe. Non, il éteint. Il a fermé la porte, effectivement. Il a la lampe torche allumée. Mais comme si ça changeait quelque chose d'avoir la lampe torche allumée, quoi. Donc il descend, ok. Et là, alors, s'il tourne à droite alors qu'il fallait tourner à gauche, alors que depuis le début... Et alors il va où, là? Attends, s'il y a un poste de police et on l'a jamais su... Il fallait le savoir, ou il fallait le deviner, ou... Non, mais le jeu est sous de ma gueule. Wow, wow, saloperie! Épiche. Épiche. Mais c'est trop con, hein. D'où il y a un carton avec la poupée du début du jeu qui te donne un... Mais s'il te plaît, quoi. S'il te plaît, mais elle est pourrie la fin du jeu, mais c'est trop laid. Mais genre, il faut te balader partout dans la ville pour trouver une arme, mais c'est trop nul. La police est arrivée rapidement après que la femme soit morte. La légitimité défense a été... choisi comme étant, en gros, que c'est pas ma faute. Ouais, nanana, le meurtre du couple a été fait par la femme. La police suspecte qu'elle a commis les meurtres en dehors de ses spits. Quelques mois après l'incident, j'ai déménagé. Et je ne ressentirai plus jamais quelque chose comme ça de ma vie. Oh, c'était nul. Oh, c'était nul. Oh, la fin, je suis trop déçu. Oh, la fin bâclée où ils savaient pas quoi faire. Ils ont dit, bon, on va mettre un carton avec un marteau. Et puis la femme, Sonic, speedrun. C'était pourri. Enculé, c'était nul, quoi. Bon, par contre, j'ai eu très peur le long du jeu, je dois avouer. J'avoue que le jeu m'a fait peur. Mais la fin! Oh! La fin décevante, quoi. Merci, Omitsuke, pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Et vous, vous en avez pensé quoi? Du jeu? Oh, caca. C'était du caca. Il fait du caca partout, c'était dégueulasse. Rien compris. Ah. Oh, quand même. J'en ai pensé fort. Allez, toi, ça dégage. Toi, t'es ban, c'est bon. Nul, nul, nul. Non mais attendez, on va pas juger le jeu juste sur la fin. La fin était nulle. Mais après le reste du jeu était bien, non? Genre, bon ça a duré une heure. Là où normalement ça aurait duré 20 minutes. Mais en vrai, il faisait un peu peur le jeu, non? Le moment où on était dans la maison et qu'on contrôlait le mari. Et où on savait d'avance que la femme était morte. Moi j'étais pas bien. Bon après on a découvert que j'avais une flashlight. Ça a tout changé. Non, moyen, ah ouais plutôt moyen, ok. On restait plutôt sur le moyen, d'accord. Aucun suspense. Hein? Ouais. Ouais. Bon. D'accord. Ok. Bah, ok. J'accepte vos avis. Pas de problème. C'est vrai que la fin, elle a un peu niqué toute la hype que j'avais durant le jeu. Tu faisais plus peur que le jeu. Ah! Merci. Enfin, je crois. Allez. D'accord. Bon, eh ben, je coupe la rediff.